Et 3, ça fait 1, moins 9, ça fait 280. Donc 280 plus 280, ça fait... Bon, bah, ça fait à peu près ça, de toute façon. Plus 1720 tout à l'heure, ça fait 2280 francs plus 200 francs. Eh ben, c'est raté, c'est tout. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est tout. On peut le prendre avec bonne humeur, qu'est-ce que tu veux, hein? Pas faire un caprice d'enfant non plus, hein? Ouais, t'es bien, c'est vrai, mais... À moins que... Peut-être économiser... Le gaz, ben le gaz, c'est pas possible. L'électricité, même avec une bougie, je vois pas comment. Transport... Nourriture, peut-être la nourriture... Non, bien sûr, mais non, je peux pas, c'est dommage. Hein? Gérard, j'en ai pas besoin. Alors, elle est pas là, Adeline? Bah écoute, je sais pas, tu sais, il y a des fois elle vient pas. Peut-être l'électricité, remarque, avec une bougie. Ça, je peux pas penser. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais je fais mes comptes, c'est tout, c'est rien. Ah, c'est pour ça que tu fais cette tête? Et tu veux un conseil? Fais comme moi. Tu fais jamais tes comptes. Tu verras, ça change la vie. Hein. Ah bah évidemment, ça c'est facile. Seulement, des fois, on est obligé, c'est comme ça. Quoi, t'as le fisc aux trousses? Mais non, j'ai pas le fisc aux trousses. Qu'est-ce que tu vas dire là? Non, est-ce que je leur donne? Non, c'est pas ça, c'est qu'au 14e étage, il y a un petit trois pièces qui se libère, alors j'aimerais bien. Comment tu sais ça, toi? Bah, c'est Prosper qui m'a dit. Qui c'est ça, Prosper? C'est le secrétaire, chauffeur, homme de main de monsieur Laplace, tu comprends? Ah, le garçon de course. Et comment il sait ça, lui? Bah, l'appartement appartient à monsieur Laplace. Comme tout l'immeuble, d'ailleurs. Ouais. À propos de monsieur Laplace, tu sais, en ce moment, ça va pas fort, hein. C'est récupérer tous ses loyers, c'est lui cause du souci, hein, crois-moi. C'est quand même plus dur de payer le loyer que de le récupérer. J'ai pas pensé à ça, tiens. Hein, bah, faut y penser. En tout cas, avec Sime demande, je peux pas le prendre, cet appartement, c'est dommage. Pourquoi c'est si cher que ça? Bah oui, mais enfin, c'est normal, c'est un trois pièces. C'est fait pour deux personnes minimum. Ouais. Bah, le petit couple qui était là-haut s'en sortait très bien, à deux. Ça m'a tout seul avec ce que je gagne, c'est pas possible. T'es sûr que t'as bien fait ton budget? Regarde, écoute. Bah, c'est quoi ça? Nourriture, moi, 1800 francs. Nourriture, elle, 1900 francs. Bah oui, c'est ce que je dépense pour Daniel et moi en nourriture chaque mois. Pour manger, tu dépenses plus pour ta chatte que pour toi. Mais c'est normal, c'est parce qu'elle est fragile du foie, tu comprends? Elle fait des allergies aux boîtes. Bah oui, la pauvre chérie, tu penses? Mais je refilerai du mou à ta chatte et des chips. J'en aurai au maximum pour 150 balles par mois. Enfin, t'y penses pas, il y a hors de question que j'économise sur la nourriture de Daniel. Tu sais, Marc, quand t'as une belle petite chatte comme la mienne, mais il faut l'entretenir convenablement, voilà tout. Bah, fais un civet, au moins tu seras tranquille. Non, je te connais, toi, je te jure. Non, je vais me débrouiller autrement, puis voilà. J'aurais bien t'aider. Et depuis que Daniel est parti, je suis un peu dans la misère. Je comprends, Marc. Mais je te demande pas l'aumône non plus. Je vais rester au Blanc-Ménil, puis je me débrouillerai. J'habitue. Et pourquoi tu partages pas l'appart avec un copain? Avec un copain? Enfin, tu penses pas, Marc. Mais pourquoi? Et le candidaton, qu'est-ce qu'on fait du candidaton? Mais si je vis avec un garçon, les gens vont penser que... Oui, c'est pas possible. Bah tiens. Ouais, c'est ça. Bon, je remonte. Georgette doit avoir fini le ménage. Ouais, c'est ça. Ah oui. Candidaton. Elle est super, hein, la mode cet été. Je sens qu'on va s'éclater. Moi, j'ai pas besoin de la mode pour m'éclater l'été. Ah oui? Bah oui. L'été, c'est la meilleure saison pour les garçons. On est toutes belles, toutes bronzées, avec la chaleur. On n'a pas besoin de se couvrir. C'est quand même un argument de choc, non? T'as raison, ma petite Céline. Les filles, je pourrais savoir qui a pris ma crème hydratante pour le corps? Quelle crème? Sveltine. Tu mets ça, toi? Oui. Figure-toi. Et ça marche? Bof. Bon alors, qu'est-ce qu'il a prise? Mais écoute, j'en ai aucune idée, t'as dû la perdre. La perdre? Comment j'aurais pu la perdre? Je n'utilise que dans ma chambre. Je crois que c'est moi qui l'ai prise, Claire. Et voilà, j'en étais sûre, c'est elle. C'est décidément difficile d'avoir quelque chose à soi dans cette maison. Je suis désolée, je savais pas que c'était ta crème. Oh, tu savais pas que c'était ma crème? Tu la trouves dans ma chambre, ma crème, et tu sais pas que c'est ma crème? D'abord, je l'ai pas trouvée dans ta chambre, je l'ai trouvée dans la salle de bain. Elle traînait dans la salle de bain. Traînait dans la salle de bain? N'importe quoi. Ah bah si, je t'assure, c'est vrai. Mais arrêtez de vous disputer, oh. Qu'est-ce que tu insinues, là? Que je laisse traîner mes affaires? Que je ne sais pas où je les mets? J'insinue rien du tout, je dis simplement que cette crème, elle traînait dans la salle de bain, c'est tout. C'est faux, absolument faux. Menteuse. Oh, mais de toute manière, j'ai l'habitude, depuis le temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais oui, déjà à 10 ans, tu piquais toutes mes affaires. Et tu mentais pour te disculper. À 10 ans, je piquais ses affaires? Oui. Oh là, ma pauvre fille, mais elles étaient tellement moches, tes affaires, qu'il n'y avait rien à piquer. Reine. Et mon auto-
toilette. L'autre toilette que m'avait offert mon parrain. Tu te souviens? Tu l'avais cachée sous le matelas de ta chambre. Et t'es venue toute seule, il lui était poussé des pattes. Oh, pauvre Claire, j'avais 5 ans. Non, mais c'est incroyable ce que t'es rancunière, hein. Et toi, t'es d'un sans-gêne. Eh bien, toi, t'es une égoïste. Voilà. Eh bien, quand on a affaire à une menteuse, à une voleuse de surcroît, on est bien obligé de se protéger. Claire, se protéger? Ah, ben, on le voit, il est beau, le résultat. Tu sais ce que t'es devenue à force de te protéger? T'es qu'une vieille fille, sans amis, sans mari et sans amant. Tu veux que je t'en colle une? Je t'interdis de me parler comme ça. Mais t'as rien à m'interdire, dis donc, je dis ce que je veux, puis en plus, tu sais très bien que je dis la vérité. Mais c'est pour Vincent que j'ai sacrifié ma vie de femme, tu le sais très bien. Pour Vincent, oui. C'est la meilleure. Allez, il a bon dos, le pauvre gosse. Je suis sûre qu'il serait ravi que tu t'occupes enfin d'autre chose que de lui. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as jamais su t'occuper d'enfants. Non, mais attends, Lola, je l'ai peut-être pas élevée, Lola. Oh, parce que tu l'as élevée, Lola. D'ailleurs, Lola, elle est même pas là, alors tu vois bien. Mais arrêtez, les filles, hein. Tu sais pourquoi elle est pas là, Lola? Non, pourquoi elle est pas là? Elle est pas là simplement parce que je ne veux pas vous déranger, c'est tout. Nous déranger, comme si ça te gênait de nous déranger. Mais tu non. Tu t'es imposée ici, voilà ce que t'as fait, tu t'es imposée. Moi? Oui, absolument. Moi, je me suis imposée. Tu t'es imposée, oui. Écoute bien, puisque je me suis imposée, je te garantis que je vais pas m'imposer plus longtemps. Je m'en vais. Eh ben, bon vent! Fais tes valises! Et qu'on te revoie plus! Pauvre fille! Onze heures, et le ménage est toujours pas fait. Ça, elle se fiche du monde, la Cindy Rockford, elle se fiche du monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai appelé une autre femme de ménage, moi. Ça va être vite fait. La Georgette, elle va trouver une remplaçante. Occupé. Alors comment je vais faire pour recevoir Adeline dans un foutoir pareil, moi? Je vais me cotiner le ménage, voilà. Ah, quand même! J'ai eu peur. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Madame Pichardot, vous savez, une cliente de Daniel, les valets Pichardot. Ah oui, je me souviens. Je vous dérange pas, là, je peux rentrer une minute. Bah si, mais en fait. Pardon, merci. Je m'assois. Enfin, je... Tenez, il y a une chose, là. Merci. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, est-ce que vous avez des nouvelles de Daniel? Ah non, non. Oh, ça, c'est dommage, ça. Vous savez, quand il est parti, il m'a envoyé un petit mot. Oh, un très joli petit mot. D'ailleurs, je l'ai là. Je l'ai gardé. Vous voulez le lire? Regardez. Merci. Daniel Green, photographe, a le plaisir de vous faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle. Ouais, c'est vachement romantique, oui. Ouais, mais, non, mais regardez, au dos. Oui, regardez. Hein, il y a marqué « amicalement ». Ah, oui, oui. Hein? Ah, oui, oui, oui. C'est gentil, hein? Oui, c'est gentil. Oui. Tenez. Ah non, c'est bête, hein, mais depuis qu'il est parti, moi, je pense très souvent à lui. Alors je me suis dit, comme vous êtes son ami, bah, peut-être vous pourriez me donner des nouvelles. Ah non, non, non. Et pourquoi? Ah, parce que moi, il m'a abandonné, mais alors... comme un chien. Oh non, ça c'est pas possible, je ne peux pas le croire. Ben, lui, c'est... avec sa grâce, sa sensibilité, son élégance, non, jamais, il aurait pu faire une chose pareille. Moi aussi, il m'a abandonné. Oh non. Oh, vous savez comment sont les anglo-saxons? Ah, les anglo-saxons, vous croyez? Ah oui. Mais il vous a dit pourquoi il était parti comme ça? Ben, pour une femme, cette question. Ah, vous voulez dire une femme? Oui, une femme. Oh. Mais vous croyez qu'elle nous le rendra un jour? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, non, ça, c'est embêtant. C'est parce que mes campagnes publicitaires, non, sans Daniel, ça ne veut plus rien dire. Moi-même, je ne reconnais plus mes balais. Oui, c'est embêtant, c'est embêtant. Et Monsieur Pichardot, vous savez? Il est très inquiet à mon sujet, parce qu'une héritière des balais qui ne reconnaît plus les siens, ça, c'est la débâcle. Très embêtant. Très embêtant. Remarquez, j'aurais peut-être une idée pour que vous puissiez de nouveau reconnaître vos produits. Oh. Vous pourriez peut-être faire revenir Daniel? Ah non, non, Daniel, non, mais... Non. Mais des fois, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain dans la réalité pour se rafraîchir la mémoire. Un bain? Oui. Vous allez comprendre. Oui. Merci. Voilà. Ah, sympa. Je reviens. Oui. Voilà. Est-ce que c'est? C'est des balais. Voilà. Je les ai reconnus. Une ou deux heures de ménage, vous allez voir, ça va revenir. Hein. Alors vous commencez par la pièce, ensuite la chambre, après la cuisine, la salle de bain, éventuellement la cave. Ah, la cave. Bon. Bah, bien sûr, monsieur Laplace, mais je vous comprends, mais c'est évident, ça, bah oui. Non, et puis, de toute façon, vous... Oui, non, vous ne pourriez pas me dispenser de ces 3 mois de caution, non, des fois, tombe sous prétexte que je travaille pour vous. Non, bah, bien sûr. Maintenant, je vous comprends, pas de passe-droit. Oh, non, vous avez bien raison, on ne sait jamais.
Bon, ben, c'est entendu, monsieur Laplace, mais excusez-moi de vous avoir dérangé. Bon, ben, à bientôt, monsieur Laplace. Au revoir, monsieur Laplace, oui. Bien, au revoir, monsieur Laplace. Oh, ben, là, c'est fichu, hein. C'est fichu, c'est tout. Bonjour, Gérard. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es drôle de tête. Tu trouves? Ben oui, t'as un problème? Mais non, c'est pas ça, c'est que je rêvais, et puis les ailes de mon rêve se sont refermées, je suis tombée, forcément. Si tu veux, c'est la vie, ça. Enfin, les rêves sont faits pour être oubliés. Et toi aussi, t'as une petite mine, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je connais par cœur le moindre détail de ton joli minois. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est quoi? Bon, tu as raison, j'ai pas très bien dormi cette nuit, en fait. C'est des cauchemars, c'est ça? Non, mais j'avais des idées qui me trottaient dans la tête, et puis ça m'a empêché de dormir. Mais c'était quoi, ces idées? Rien, des bêtises, ça vaut même pas la peine d'en parler. Bon, bah, comme tu veux, j'insiste pas. Si je te faisais un petit massage pour oublier ces idées, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, ça va me changer. Mmh. Bon, bah, je vais me préparer. C'est entendu. Bon. Alors, il faut... Ah, bonjour, Karine. Bonjour, Gérard. Tiens. Non, j'ai pas besoin de serviette, je suis pas venue faire du sport. Non, je suis simplement passée pour te dire adieu. Mais comment ça, me dire adieu, tu t'en vas? Oui, je pars, oui. Non, tu parles, mais pourquoi? Ouais, écoute, Gérard, c'est devenu impossible, là-haut, avec Claire. Oui. Il m'a dit des choses horribles. Enfin, Karine, faut pas dramatiser. Notre sœur, ça peut pas être horrible, tu non, penses? Je t'assure. Je sens que si je reste, ça va devenir infernal. Non, non. Elle serait capable de me dire de telles horreurs que... Alors là, on serait carrément brouillé pour la vie, tu vois. Bah, dans ces conditions, forcément, je comprends. T'as peut-être raison. Mais tu vas aller où? Alors, j'en sais rien du tout. Tu as retrouvé ton mari? Ah non, alors ça certainement pas, non. Je vais essayer de trouver une chambre à l'hôtel, tu vois, pendant quelques nuits, le temps bien sûr de trouver un appartement. D'ailleurs, si jamais t'entendais parler de quelque chose, hein, je compte sur toi. Bah tu penses, bien sûr, tu peux. Mais qu'est-ce que tu cherches? Bah écoute, j'aimerais trouver un truc sympa, tu vois, un petit peu dans le genre de l'appartement là-haut, mais alors bien sûr en plus petit. Non mais attends, ça te ferait de rester dans l'immeuble? Ah bah oui, j'aimerais bien. Non, c'est pas parce que je suis brouillée avec Claire que je peux pas rester, tu vois, mais... Non, parce que je pensais à quelque chose. Tu sais, au 14e, il y a un 3 pièces qui se libère, alors... Ah oui? Bah oui, je pensais le prendre pour moi tout seul. C'est bon, bah, j'ai beau faire mes comptes, et bah, moi, je peux pas me le permettre, entre le loyer et la caution, c'est difficile. Ah bon, il le loue combien? Ah bah, c'est simple, Lucas. Plus les charges, hein, bien sûr. Non mais attends, c'est horriblement cher, ça. Ah bah oui, en fait, c'est un immeuble de haut standing, ici, puis il y a la salle en dessous. Bah oui, mais enfin, quand même. Ah bah, c'est vrai, moi aussi, au début, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Mais tu sais, monsieur Laplace, avec les charges qu'il a, non, c'est pas facile pour lui, le pauvre. Ah, tu veux dire que c'est un appartement qui appartient à monsieur Laplace? Bah oui, comme tout l'immeuble. Alors t'imagines toutes les charges qu'il a, le pauvre? Ah bah tiens. Enfin, Gérard, le pauvre, pas tant que ça. Hein. Ah, non, mais détrompe-toi. Une fois qu'il a tout réglé, il lui reste pratiquement plus rien. Mais écoute, Karine, si je te le dis... S'il y a vraiment du mal à boucler ses fins de mois, sinon ça fait longtemps que je m'aurais augmenté, tu penses? Mais enfin, Claire, on ne peut pas mettre Karen à la porte comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est ta sœur. Justement, ça fait 35 ans que je la supporte, ma sœur. Ses réflexions, ses caprices, non, j'en ai plus qu'assez. Oui, d'accord, mais c'est vrai, elle est sans gêne. Mais elle a pas que des défauts. Moi, je trouve pas ça si désagréable d'habiter avec elle. Moi, si. Par qui on va la remplacer? Luna et Maurice, ça a l'air bien parti. Oh, mais on en trouvera bien une autre, et facilement. Et Karen, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oh, tu vas pas te laisser la pitoyer, non? Tu sais, Karen, sous ses dehors de petite fille bien sage, elle peut très bien se débrouiller toute seule, crois-moi. Tu vas? Oui. Bonjour, Sabine. Bonjour, Madame Bellefeuille. Je vous dérange pas, là? Ben, c'est-à-dire que... Non, mais il faut absolument que je vous parle. Bonjour, Claire. Bonjour. Oui, bon, bah, entrez. Merci. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air toute bouleversée. Oh, bah, si vous saviez ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive, Georgette? J'ai rencontré l'amour. Ah bon? Ça a marché avec moi? Oh non, il s'agit pas de Marc. Je vous parle de Piu Piu. Piu Piu, c'est un canari. Ah non, c'est un homme. C'est mon homme. Et il s'appelle vraiment Piu Piu? Ah non, c'est que moi qui l'appelle comme ça. Parce que je l'ai rencontré hier. Il était dans la rue, tout perdu, comme un pauvre petit moineau. Oh, alors moi, je l'appelle Piu Piu. Ah oui, bien sûr, oui. Si vous saviez ce que je suis heureuse, j'aurais jamais pu imaginer que j'allais refaire ma vie avec un homme. Avec mon Piu Piu. Bien ça. Et votre mari, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça?
Oh, vous savez, avec Francis, on a toujours été un couple très, très libéral, hein. Surtout lui. Alors maintenant, c'est mon tour. Bah alors, il n'y a aucun problème. Non? Enfin, presque. C'est pour ça que je venais vous voir. Bon, ben, asseyez-vous si ça doit durer plus longtemps. Allez, Georgette. Voilà. Voilà, c'est au sujet d'Adeline. J'ai un petit souci. Pourquoi? Eh bien, parce que elle, si jeune, si fraîche, si pure, vivre sous le même toit qu'un couple d'amoureux, je ne suis pas sûre que ce soit raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Enfin, vous pas exagérer quand même, Georgette. C'est une grande fille, vous savez. Oui, c'est vrai, mais pour vous dire la vérité, j'aime énormément Adeline, mais c'est surtout à moi que je pense. Je voudrais vivre ma nouvelle passion sans entrave. Et puis, vous le savez, quand on est amoureux, il ne faut être que deux. Oui, vous avez sans doute raison, mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous? Ah ben, justement, je pensais... vous pourriez peut-être la prendre quelque temps chez vous? Pourquoi pas? Adeline à la maison, c'est une bonne idée. C'est vrai? C'est possible? Mais oui, absolument. D'autant plus que Karen vient de nous quitter. Claire... Non, il n'y a absolument aucun problème, Georgette. Oui, bien sûr, mais vous comprenez, il faut qu'on en parle, Madame Bellefeuille. C'est une question de loyer. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Je prends la part d'Adeline en charge, bien sûr. Eh ben, tu vois, Adeline pourra rester ici le temps qu'elle voudra. Et Vincent, t'as pensé à ton fils? Il est amoureux d'Adeline, ça pourrait être dangereux. Mais c'est de l'histoire ancienne. En plus, Vincent, il a un cœur d'artichaut. Allez, c'est réglé. Oh ben, merci. Mille merci. Là, je vous laisse, je vais courir annoncer la bonne nouvelle à Adeline. Bon. Parce qu'hier soir, quand j'ai ramené Piu Piu, elle n'a rien dit, mais délicate comme elle est, j'ai bien senti qu'elle était gênée. Oh. Alors, elle va être soulagée et ravie d'apprendre qu'elle peut habiter avec vous. Très bien. Allez, Georgette, à bientôt. Au revoir. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Mais t'es complètement folle. Pourquoi? Le loyer, Vincent, tout va bien? Ah oui, tout va bien. Adeline à la maison, elle va nous prendre tous les garçons, on n'aura plus rien. Betty, ouais, ça t'a fait du bien. Oh oui, un bien fou, je te remercie. T'as vraiment des mains en or. Mais non, faut pas te dire ça, c'est juste des doigts, c'est tout. Oui, je sais, mais ça m'a détendu et puis j'ai oublié presque tous mes problèmes. Mais attends, mais je suis bien content. Bon, bah si on mangeait quelque chose, je t'invite à déjeuner. D'accord pour le déjeuner, mais c'est moi qui t'invite. Ah non, parce que c'est moi qui l'ai dit en premier. Gérard, c'est oui pour le déjeuner, seulement si c'est moi qui t'invite. Bon bah c'est entendu. Tiens, Karen. Bonjour. Salut, Adeline. Alors, tu trouves? Bah, tu sais, des appartements à louer, il y en a, mais alors... Question prix, c'est terrifiant, hein. Vous déménagez, Karen? Oui, j'ai besoin d'un petit peu d'indépendance. Selon le problème, c'est que... Je savais pas que ça coûtait si cher, l'indépendance. Bah, restez pas plantés là, asseyez-vous. Oui. Tiens, pour les choses, là. Merci. Tu sais, je pensais à une chose, Karen. Oui. Moi, je pourrais regarder au Blanc-Ménil. Bah, c'est plus abordable, tout de même. Oui, t'es gentil, mais enfin, Blanc-Ménil... Blanc-Ménil, tu vois, je préférerais rester dans le coin, quand même, si c'est possible. Non, tu sais, c'est vraiment trop bête, hein, pour l'appartement là-haut. Quel appartement? Bah, tu sais, au 14e, le petit couple, la petite blonde qui vient toujours ici, eh ben, ils partent en province, c'est pour ça. Mmh. Alors, ça fait un 3 pièces libres, tu vois, dans l'immeuble. Pendant un temps, je pensais m'y installer, mais bon... Et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, non, parce que c'est pas possible, je suis dans le même cas que Karen. Le loyer est trop élevé pour moi, je pourrais jamais. Ouais. Alors, un couple, ils peuvent diviser le loyer par deux, mais moi tout seul, non, c'est impossible. Mais, Gérard, pourquoi tu partagerais pas l'appartement avec Karen? T'avais pas pensé à ça, dis-moi. Mais tu sais que c'est une idée très intéressante, enfin, je sais pas ce que t'en dis, mais... Ah, moi, je suis partant, tu penses? Oui, parce qu'avec un garçon, c'était pas possible. Alors, on se serait fait des idées. Parce qu'avec une fille, bah, personne pourra jaser, c'est quand même bien, non? Alors? Ça a été fait, c'est arrangé. Monsieur Laplace est d'accord. C'est super. C'est génial. Je vais vivre dans l'immeuble. Adieu Blanc-Ménil, enfin, bon, bah, c'est comme ça. Mais Gérard, t'es sûr? Oh, bah, écoute, monsieur Laplace n'a qu'une parole, je t'assure. Je suis contente. Faut que je te remercie. Bah, j'y suis pour rien. Enfin, tu plaisantes, c'est toi qui as eu l'idée. Mais je n'ai aucun mérite, enfin. Si vous n'aviez pas été tous les deux accaparés par vos problèmes, la solution vous aurait sauté aux yeux. Mais c'est toujours comme ça. Quand on a la solution, ça paraît toujours plus évident. Oui. Ah, Adeline, ma chérie, tu es là? Bonjour, Gérard. Bonjour, Karen. Bonjour, Madame Bellefeuille. Bonjour, Madame Bellefeuille. Oh, Adeline,
Ma petite chérie, j'ai quelque chose à te dire. C'est une bonne nouvelle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est un peu personnel, alors je sais pas vraiment si je peux le dire là. Quoique, mon amour est tellement fort que je peux pas le garder pour moi toute seule. Alors voilà, j'ai rencontré un homme merveilleux. Il s'appelle Piou Piou. Et je crois que je vais refaire ma vie avec lui. Là, je comprends mieux les idées qui t'ont empêché de dormir. Ben ça, ma pauvre chérie. Tu sais, Adeline, ma chérie, j'ai bien senti hier soir que tu étais un peu gênée. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tout est arrangé. J'ai parlé avec Claire et Sabine et elles sont tout à fait d'accord. Tu vas pouvoir vivre avec les filles d'à côté. Oh non. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Ah, elle est là. Elle est là, Karen, ma chérie, tu es là. Je suis là. Dis-moi, pardonne-moi. Tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure à la maison, c'était complètement faux. Il faut absolument que tu reviennes vivre avec moi. Je peux pas vivre sans toi, tu le sais bien. Tu peux pas vivre sans moi. Je suis persuadée que tu peux très bien te débrouiller sans moi. Non, je peux pas me débrouiller sans toi. Je sais rien faire sans toi. Je t'en prie, pardonne-moi. De toute façon, Claire, c'est trop tard. Je suis désolée. J'ai pris mes dispositions. Des dispositions? Quelles dispositions? Oui. Reviens à la maison, je t'en supplie. Ah non, mais moi, ça m'arrange pas du tout, ça. S'il te plaît, viens avec moi 2 minutes, j'ai parlé. Excusez-moi. Mais pourquoi tu reviendras pas? Enfin, écoute, tu peux plus tout. On dirait que ça s'arrange, hein. Parle pas de malheur, toi. C'est vrai. Parce qu'elles sont mignonnes toutes les deux comme ça. Oui. Et puis visiblement, ça s'arrange, t'as raison. Alors ça y est, tout est arrangé. Oui. Comme au bon vieux temps, hein. Non, finalement, vous savez ce que c'est, on se dispute, et puis on finit toujours par se réconcilier. Oui, mais c'est si bon. Super. C'est décidé, tu reviens à la maison? Ouais, voilà, je reviens à la maison. Oh, c'est super, ça. Bah oui. T'es vraiment un amour de garçon, toi. Parce que, en fait, je te mets dans le barin maintenant. Puisque je retourne vivre chez Claire, comment tu vas te débrouiller pour l'appart? Bah, c'est là, du coup, je me retrouve tout seul avec cet appartement. Mais comment je vais faire? Moi, je pourrais peut-être le partager avec toi, cet appartement. Oh non, mais... C'est vrai, tu ferais ça, mais c'est génial, hein. Si ça te dérange pas. Oh ben non, tu penses, tu rigoles. Mais non, parce que vivre avec toi, c'est le bonheur, quoi.